Yo les gens, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ne rentrez pas, sauf qu'aujourd'hui c'est Ne prenez pas le mauvais bateau Minecraft, ou alors ne descendez pas le mauvais toboggan. Donc voilà, je vais encore un petit peu adapter en fonction de ce que je trouve le mieux. Donc devant nous on a trois bases avec trois bateaux qui nous mènent vers ces bases, vous voyez. Donc on peut voir qu'en gros le bateau descendra le toboggan et arrivera directement dans la base du concerné. Donc les trois bases qu'on a devant nous, c'est celle de Charco, celle de Zig et celle de Sonic. Voilà, Sonic, vous en doutez bien, on va faire une nouvelle course qui sera la belle des deux dernières courses. Une victoire pour lui pour l'instant, une victoire pour moi. À voir qui va gagner cette course là qui sera la finale. Ce sera la dernière base qu'on ira visiter. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de tout ce genre de prochaines vidéos. Tu peux aussi activer la cloche de notification, c'est extrêmement important, voilà, pour être sûr de recevoir la notification lorsque je sors une de ces vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu. S'il y a 500 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai un nouvel épisode de Ne prenez pas le mauvais bateau Minecraft. Donc c'est parti, la première base qu'on va aller visiter, c'est celle de Charco. Donc let's go, on va prendre le bateau, hop c'est bon. Et là c'est parti, wow. Ok, donc là vous voyez qu'on voit absolument pas où on va. Et là on va arriver bientôt dans la base de Charco. Yo, ok on descend, salut Charco. Donc Charco de Zig et Charco. Bon, ça te fait pas un peu, ça t'embête pas un peu de pas être au fond de l'océan là? Si, ça l'embête un petit peu Charco de pas être au fond de l'océan. En même temps je peux le comprendre. Du coup on va regarder un petit peu sa base. Alors là il a un aquarium pour faire penser je suppose aux océans. Ah c'est sympa le petit aquarium, très cool, j'adore. Par contre tu te mets quand même plutôt bien, hein. Gros home cinéma avec ton gros canapé, c'est quand même plutôt stylé, hein. Ouais c'est quand même plutôt lourd, hein. T'es quand même dans un endroit plutôt assez stylé. Bon du coup Charco, tu m'as sans doute prévu une petite épreuve, c'est ça, hein? Tu m'as sans doute prévu une petite épreuve. Ok, alors c'est où? Alors, ah, il y a le bateau qui est devant, on va le casser le bateau. Hop. Épreuve, battre Charco dans un PVP. Ah, c'est vrai que Charco est extrêmement fort dans tout ce qui est baston. Du coup, Charco, ok, d'accord, je dois prendre ce qu'il y a dans ce coffre. Ah, du stuff PVP, d'accord, nice. Bon bah, on va s'équiper de tout ça. C'est bon les gars, je suis équipé, maintenant je vais désormais passer en game mode. C'est bon, je me suis mis en game mode 0 les gars, en game mode survival. Donc voilà, je peux enfin mourir. Et du coup Charco, ce que je te propose c'est qu'on aille faire le PVP un peu à l'extérieur. Genre pas ici tu vois. Ok d'accord, il est d'accord avec moi. Ok donc Charco let's go, on va un peu à l'extérieur. Ok on descend ici, nice. On va se trouver un petit endroit. Oh regarde, hey, Charco viens voir. J'ai trouvé je pense un endroit qui est plutôt cool tu vois. Ici je pense que ça le fait, on est good. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, première frappe. Oh, il m'a mis un petit combo. Oh. Ouais, yes, c'est bon. J'ai battu Charco, c'est extrêmement dur. Il a failli me battre. Très très bonne baston de Charco. Heureusement que je me suis beaucoup entraîné en PVP lors des dernières versions. En tout cas, j'ai battu Charco. Bon, Charco n'est sans doute pas mort, hein. Je vous préviens qu'il va sans doute revenir. C'était juste une petite baston comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour Charco. D'ailleurs, il va pas tarder à revenir. On va l'attendre. Je vous dis dès qu'il arrive. Donc là, on l'attend. Je pense qu'il va bientôt revenir, normalement. Ah, salut Charco. Bon alors, pas trop déçu de cette défaite quand même. On se fera peut-être une prochaine revanche. Il est un peu vénère Charco. Ok, bah il est quand même beaucoup plus musclé que moi les gars. Du coup je pense qu'on va se barrer quand même vite fait en scred avant qu'il nous mette des grosses patates. Bon en tout cas bien joué Charco. Et puis on se retrouve très bientôt peut-être pour une nouvelle pour une revanche pour toi en tout cas. Bon allez à plus Charco. Bon allez c'est bon les gars, c'est bon. On a fait Charco, donc là tout de suite on va aller prendre un nouveau bateau pour la base de Zig. Donc Zig c'est le prochain qu'on va aller voir. Oula, oh non je me suis trompé, je suis tombé. Bon je vais me remettre en game mode tout ça puis on se retrouve pour prendre le bateau pour aller vers Zig. Donc c'est parti les gars, je suis en face de mon bateau pour aller voir Zig. Donc c'est parti, hop on rentre dans le bateau. Et là c'est parti pour aller voir Zig. Alors j'ai hâte de voir à quoi ressemble Zig. What? Oh, il s'était caché. Je me suis dit, ah, il était où? Et donc il est là, ok, donc vous vous souvenez, pour ceux qui regardent le dessin animé, Zig, il est dans un ancien avion, tu vois, il est dans un avion qui est désaffecté à moitié. Donc là, je suppose que c'est une sorte de petit avion qui s'est refait, parce qu'à mon avis, bah, il doit kiffer être dans des avions abandonnés. Donc c'est bien ça, en fait, hein. C'est un avion abandonné, c'est ça, Zig? Ouais, d'accord, ok, c'est ça. Donc Zig... Bon, on va déjà regarder un petit peu sa base. Alors, ok, bon, c'est un petit avion, on dirait. Alors là, le petit cockpit, on peut se mettre aux commandes, petit cockpit d'avion et tout. On est là, on est là. Ah, Zig a très faim, trouve-lui à manger. C'est vrai que Zig, t'as très faim? Ah ouais, d'accord, ok, donc Zig, il a extra...
Il a très 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 faim, Zig. Ok, bon, on va aller chercher tout ça. Bon, la meilleure chose à faire, je pense, pour Zig, c'est de trouver des petites pommes. Ah, il commence déjà à faire nuit. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en fait des arbres et les couper. Donc là, c'est bon, on est dans une forêt. Donc là, je vais casser des bûches à l'aide de mon épée que j'ai gagnée tout à l'heure dans le combat avec Charcot là. Et puis en espérant qu'on fasse tomber une ou deux pommes et qu'on puisse aller nourrir Zig tout simplement. Parce que voilà, il a extrêmement faim et on va pas lui fournir Marina. Marina n'est actuellement pas sur la map. Du coup, bah on va lui donner des petites pommes si on arrive à en trouver. Ok, en plus il fait nuit donc j'espère qu'il n'y aura pas de monstres pour nous venir nous embêter. Tiens, il y a un lama là-bas. MDR des barres. Regardez le lama. On le voit à la gauche. Alors, du coup, c'est bon. On casse quelques arbres en espérant qu'on puisse trouver quelques petites pommes. Normalement, oui, on peut en trouver. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, je vais casser ces deux arbres-là. Et ensuite, en gros, c'est bon. Là, il y a les deux arbres qui sont en train de se péter. Et là, ensuite, on va casser des feuillages, histoire de voir si on peut pas dropper une petite pomme. Voilà, c'est une épreuve un petit peu pas ouf. Mais en tout cas, c'est qu'après, on aura simplement la course avec Sonic. Et ça, ça fait plaisir. On va voir enfin qui sera le boss, qui sera le patron, qui va réussir à battre l'autre pour la belle. Toujours pas de pomme à l'horizon les gars, pourtant malgré ça les feuillages se cassent. Mais on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pommes, hein. Relou. Au pire on va lui donner un petit peu de steak, je pense que de la viande crue pour lui ça le dérange pas forcément. À nous de retrouver le lama de tout à l'heure. Ok, bah, c'est cool ça, tout à l'heure il y avait un lama. Ah voilà, une vache. On va lui fournir ça, voilà hop. Ça lui fera bien l'affaire. Voilà, 3 petits roast beef crus. On va en garder un quand même au cas où. Ah le lama. Le lama, on va le laisser en vie, hein. On n'a pas envie de tuer un lama, c'est assez rare. Du coup, voilà, on va ramener les petits steaks à Zig. Et puis ensuite, on attendra qu'il fasse jour pour aller... Zig, il est en train de faire du bateau. MDR débarque. Bon, Zig, tu descends? J'ai du steak pour toi, là. Ah, ça le plaît, ça. Hop, tiens, deux petits steaks. Voilà, deux petits steaks de roast beef. J'espère que tu vas apprécier, en tout cas Zig. Du coup voilà, plus Zig, j'espère que tu apprécies le geste. Ah c'est bon, il apprécie. Du coup on se retrouve très bientôt peut-être. Peut-être que tu reviendras dans une autre vidéo. Est-ce que ça te plairait de revenir dans une autre vidéo? Yes, ok, bah forcément parce que je lui amène à manger. Peut-être avec Marina, peut-être qu'on essaiera de capturer Marina. Enfin, devrais-je dire. Donc voilà, les gars, on se retrouve tout de suite pour la course avec Sonic. J'attends qu'il fasse jour, puis ensuite on se retrouve avec Sonic les gars. A plus Zig, à plus. Voilà, on lui dit à plus. Allez hop, c'est bon. Donc c'est parti les gars, on est devant le bateau de Sonic. Bon là on sait face à qui on va tomber, bien évidemment Sonic. Ah il est déjà à fond, il est prêt. Salut Sonic, comment ça va? Ça va bien ou quoi? Prêt à prendre la grosse revanche? Non? Ok, si si t'es prêt, ah si t'es prêt quand même. Ok donc là c'est vraiment la belle, hein. Celui qui gagne entre nous deux, vraiment il gagne totalement. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le décourse précédente avec Sonic, n'hésitez pas à aller voir mes deux dernières vidéos il me semble. C'est deux vidéos juste avant celle-ci. Et du coup voilà, vous aurez bien évidemment les deux vidéos avec Sonic dans lesquels on fait nos petites courses etc. D'ailleurs les vidéos ont très bien marché puisqu'on est à 21 000 vues et 28 000 vues déjà, avec pas mal d'avis positifs. Donc merci à vous tous. D'ailleurs n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette vidéo, une petite note sur 10 par rapport aux deux précédentes. Voilà, vous me dites en commentaire. Et puis voilà, du coup c'est parti. Alors épreuve, battre Sonic lors d'une course. Voilà, comme d'habitude, arrivé -141 Z 676. Je remonte vite fait un peu les coordonnées qu'il faut suivre. Donc regardez par exemple, voilà, donc là en gros je zoome un peu sur les coordonnées. Deuxième partie, vous descendez deuxième bloc, X, Y, Z. Là du coup c'est marqué que X, -141, on y est, le 141 c'est ici, un petit décalage. Et 676 qui fait que regardez, il suffit de reculer. Et là j'avance et on voit que ça augmente vers 228, on passe de 224 à 228, du coup voilà il faut avancer tout droit. Du coup Sonic, on ouvre les portes, on se met ici. Et c'est toi qui donne le feu, donc quand t'es prêt on y va. 3, 2, 1, go. Ok let's go. Ah on s'est poussé un petit peu au début. Ok nice les gars, on est face à Sonic. Ok alors Sonic il connaît un peu plus les astuces qu'avant j'ai l'impression. Maintenant on va essayer de faire un sans faute vraiment. J'active les coordonnées par contre parce que je les avais pas activées la dernière fois. Hop. Là on va essayer de faire un sans faute aussi. C'est 676 hein, si j'ai bien retenu. 141, 676. On est plutôt pas trop mal. D'ailleurs on s'est un peu plus décalé que ce qu'il fallait. Mais c'est bon.
on va refaire un peu notre route. J'ai aucune idée de où va se trouver Sonic. Ça devient intéressant du coup parce que du coup, genre on va être un peu dans le stress de toute la partie. Genre en mode, il est où Sonic? Voilà. Ah, grosse partie dans l'eau. J'ai pas de bloc. Donc là, clairement, c'est face à Sonic. Donc là, je pense que Sonic n'aurait pas pris autant d'avance sur moi. Donc voilà, on va voir, mais je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Voilà, j'ai fait des petits sprints, vous savez, où tu jumps en dessous des arbres, les deux feuilles. Du coup, voilà, ça c'est vraiment extrêmement efficace. Il nous reste un peu plus de 100 blocs à parcourir désormais. Le sprint final est lancé. Hop, pour l'instant j'ai fait un parcours à peu près sans faute. Voilà, je me suis pris un ou deux blocs, voilà, genre à la con. Ok, là par contre je fais des petites fautes. Ok, ok, alors là j'ai fait des grosses erreurs. Et un peu trop d'arbres aussi ici hein. Du coup on a pris 30 blocs à peu près de côté. Ok, c'est un peu plus chaud que ce que je pensais. Là on a fait quelques petites erreurs. On va retracer rapidement vers les 141. Ok, on voit l'arrivée. On est plutôt pas trop mal. Oh, il y a Sonic qui est juste là. Oh, la course est freinée jusqu'au fou. Non, non. Oh, Sonic il va gagner. Non. Oh, bien joué à Sonic. Bon bah voilà, t'as été premier. Bien joué Sonic. Bon bah Sonic confirme que c'est lui le boss clairement. Il y a la pluie, attendez je vais enlever la pluie. Voilà, j'ai enlevé la pluie hein, clairement, pour faire une belle victoire à Sonic. Franchement Sonic il confirme, voilà c'est le boss. Vraiment zéro. J'avais fait vraiment zéro faute sur le début de parcours. Je me suis un petit peu fauté à la fin. Du coup bah Sonic tu confirmes, t'es le boss. Vraiment big GG à toi. Bien joué Sonic. Et puis du coup bah c'est toi qui remporte cette victoire. Donc bien joué à toi. Et puis on se voit là. Donc Sonic, je te laisse repartir. Voilà, on a des courses effrénées avec tes petits camarades. Peut-être avec Mario d'ailleurs, peut-être qu'il va retrouver Mario. Donc voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une même vidéo de ce type. La prochaine vidéo, ce sera pas une vidéo, ne rentrez pas, parce que voilà, j'en ai fait 3 de suite quand même, ça commence à faire. Donc voilà, pour ceux qui kiffent pas forcément ce genre de vidéo, je sais qu'il y en a sur ma chaîne qui ne kiffent pas forcément ça. Du coup, la prochaine vidéo sera sans doute une vidéo genre protection de base, etc. Je sais que ça plaît à beaucoup moins de monde, mais ça plaît quand même une petite partie de mon public qui est la plus active d'ailleurs. Voilà, c'est mes abonnés quasiment les plus fidèles. Du coup voilà, je vous laisserai une petite vidéo comme ça. Puis d'ici là on se retrouve très bientôt. Allez bye tout le monde les potos, je vous aime. Et puis voilà.